Jeudi 15 mars, une bonne partie de la population française avait les yeux rivés sur le tribunal de grande instance de Nanterre. Trois mois après la mort de Johnny Hallyday, les avocats de David et Laura d'un côté, Laetitia de l'autre, s'étaient donné rendez-vous une première fois pour évoquer le droit de regard réclamé par les deux aînés sur l'album posthume de leur père. Un coup pour rien puisqu'à la demande de Laura Smay et David Hallyday, cette première audience a été reportée au 30 mars prochain. Ce qui n'a pas empêché les avocats des deux camps de s'envoyer des premières piques. L'ambiance étant toujours plus tendue, Gad Elmaleh a tenté ce vendredi 16 mars de dédramatiser la situation. Sur sa story Instagram, l'humoriste a raconté une petite blague à ses followers. Allongé sur son lit il lance, comment appelle-t-on David Hallyday au Maroc? La réponse fuse, breakfast. D'accord mais pourquoi? Adoptant comme souvent un accent nord-africain, Gad Elmaleh s'explique alors parce que c'est le petit déjeuner. Loin d'être méchante, cette petite blague n'est pas non plus la plus réussie du célèbre humoriste, parti il y a quelques années à la conquête des États-Unis.